Voilà, j'ai fait une dizaine d'années de trial à haut niveau, avec un titre de champion de France en senior 1 et puis une vice-champion de France en trial expert. Voilà, quelques années de championnat d'Europe, de mondial. Et puis là, ça fait 4 années maintenant que je me suis lancé dans les courses extrêmes. Et puis l'enduro, ça me bottait bien depuis un petit moment. Sur les courses extrêmes, eh ben, j'ai déjà participé sur la Hell's Gate 2 reprises, une fois 4, une fois 5. L'Edberg Rodeo, j'y étais une fois, mais c'est vrai que c'est une course un petit peu particulière. Et j'étais pas bon, dans le bon wagon au départ sur les qualifs, donc je remonte à la 7e place, ce qui était quand même sympa. Mais bon, c'est l'enduro du Limousin, on l'a gagné 2 fois avec Seb Guillaume, et ça c'est une vraie course extrême, limite et la seule qui est en France pour l'instant, qu'on a fait Denver et Oklahoma avec la Scorpati Ride. Et c'est vrai que sur les deux épreuves, c'était un petit peu différent de ce qu'on peut voir en Europe, c'est-à-dire un petit peu plus de terre, de virages relevés, une petite organisation à l'américaine, et beaucoup plus grand aussi, des circuits un petit peu plus grands, mais beaucoup plus rapides, un petit peu plus rapide, donc ça correspondait pas forcément à ce que... on va dire ça avantageait pas vraiment le côté trialisant de la T-Ride. Mmh. Donc c'était pas évident, mais on a fait des belles courses et des belles demi-finales. Et il a fallu pas grand chose pour se qualifier pour la finale. L'enduro à la base, faire des chronos dans des spéciales et tout ça, moi j'adore ça. Et c'est vrai que ça me permet de progresser dans les courses extrêmes parce que malgré ça, ça roule quand même assez vite dans les courses extrêmes. Et l'endroit pénalisant, c'est dès qu'il y a de la vitesse un petit peu pour moi. Donc ça me fait énormément progresser, puis j'adore ça, quoi, hein, mettre du gaz dans les spéciales et tout. J'ai passé mon brevet d'état l'année dernière. J'avais déjà un petit peu de passé dans tout ce qui est école de pilotage en trial, stage de franchissement et autres. Et là, c'est vrai que on s'est lancé un petit peu en enduro avec un pote. On a lancé une petite association qui s'appelle maintenant Pro Am Motorsport et qui fait de la rando, du stage de perfectionnement, franchissement ou en enduro. Et voilà, du tout niveau, surtout de l'initiation. Mmh. Et ça se passe plutôt dans le sud Ça se passe vers Alès, avec de belles randos dans les Cévennes, c'est magnifique. Freeride ou trial? Freeride. Et trial ou enduro? Joker. Blonde ou brune? Blonde. Bière ou vin? Bière. Dance ou rock? Joker. Joker. Des trucs qui se terminent pas tout le temps comme on l'avait prévu, donc c'est sympa.